Eh bien, salut tout le monde, c'est Max600 et on se trouve pour l'épisode numéro 4 de la série Tuto Brico Airsoft. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je vais vous présenter donc les débuts de mon bouclier anti-émeute fait maison. Bon, étant donné que sa construction m'a pris environ 2 heures, enfin ça c'est en plus, c'est que les débuts, sa construction m'a pris environ 2 heures. Franchement, je vais pas pouvoir faire une vidéo aussi longue, du coup, et eh ben, je vais vous, à chaque fin de journée, je pense vous montrer une fois que j'aurai bien avancé quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai eu besoin? J'ai eu besoin d'une scie électrique pour découper donc les bords du bois. Enfin, c'est même pas du bois. Enfin, je me rappelle plus son nom. Excusez-moi. Donc, une scie électrique, une perceuse. Parce qu'au départ, en fait, ici, il va falloir percer deux trous pour pouvoir mettre la lame de la scie électrique et ensuite pouvoir découper. Une scie à métaux pour la béquille. Oui, parce qu'en fait, là, il y avait. Ici, en fait, il y avait une. Désolé si je vous tords dans tous les sens. Il y avait donc la barre en fer. Ensuite, quoi d'autre? Une ponceuse. Car en fait, toujours au même endroit, ici, il fallait poncer un peu parce que c'était beaucoup trop large. Et du coup, ben, ça rentrait pas, ça faisait un écart ici. Une scie à métaux donc pour couper ça. Une scie électrique. Une disqueuse pour couper les écrous, enfin le bout des écrous qui était là, et c'est à peu près tout en matériel électrique. Ensuite, bon, une vieille béquille, hein, ça fait l'affaire directement. Les dimensions, elles font 50 cm sur 1 mètre, et franchement, ça me paraît bien parce que c'est super maniable. Du coup, bon, demain, je pense mettre de la peinture noire en bombe si j'en trouve, enfin, si j'en achetais à Briconnote, je pense. Et ici, ben, tout simplement du plexiglas, hein. Pas du verre, parce que si ça pète, et ben, ça, tu es dans la merde ensuite. Du coup, je pense ça, donc ça va me prendre, à mon avis, encore un jour, 2 jours maximum, si j'ai pas le matériel qu'il me faut. Ensuite, vu que ici, ça s'écaille un peu, là, ça s'effrite un peu, je pense mettre soit du vernis, soit, je sais pas, peut-être du mastic ou quelque chose comme ça, pour que ça tienne un peu mieux, faire peut-être un cadre ou quelque chose comme ça. Franchement, au départ j'hésitais pour la poignée, mais la poignée de béquille ça va nickel. Parce que regardez, si j'y arrive, oui. Voilà. On a juste à le tenir comme ça. Et c'est nickel quoi. Donc voilà. Quoi d'autre? Bon, c'est vrai que c'est un peu petit, 1 mètre sur. Même pas, je crois qu'il fait 95 cm ou 90 cm. 1 mètre sur 50 cm. Mais bon, on va faire avec. Et après, c'est à vous de voir pour les dimensions. Donc voilà, on va se quitter sur l'image du bouclier. Et on se reverra peut-être demain si j'ai avancé. Allez, ciao tout le monde!